Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour notre quatrième séance. Échauffement, quatre exercices, vous connaissez la routine. Premier exercice. Donc là, d'abord, avant même de commencer, au niveau du matériel, on va avoir besoin soit de poids, soit de bouteille. D'accord, comme d'habitude. Toujours notre bouteille d'eau pour bien s'hydrater. Ensuite, on va avoir besoin d'une chaise ou d'une certaine hauteur, okay, pour faire des fentes. Donc, je vous remontrerai. Premier exercice, curl biceps. Donc, on récupère. C'est quoi? Les coudes proches des côtes, légèrement fléchis. On vient monter les poids et les amener à hauteur d'épaule. On redescend, on contrôle la descente et on remonte. Fléchissez légèrement les genoux. Regardez droit devant vous. Expirez lors de la remontée, inspirez lors de la descente. Ok, on est bon là-dessus. Second exercice, un peu plus compliqué. Bras tendus ou légèrement fléchis. Et on va venir réaliser de petits cercles au niveau des épaules. D'accord? De petits cercles vers l'avant, en premier lieu, pour bien échauffer nos épaules. Donc après, on peut légèrement agrandir les cercles. Bras à la même distance que les épaules. Et bien réaliser des cercles. Hop! Si on n'a pas de poids, on prend des bouteilles. Donc, pour le curl. Avec les bouteilles, ça revient strictement au même, ok. Hop. Et là, on vient réaliser deux petits cercles. Ok, impeccable. On est bon là-dessus. Troisième exercice, on va avoir besoin du coup de la chaise. Donc, là, on va venir faire des fentes bulgares, ok. Donc, pour les faire. Fente bulgare. On va avoir besoin de la chaise donc. Hop, je recule. Là, j'ai commencé avec la jambe droite. Je laisse un bel espace entre mes deux jambes pour avoir une certaine stabilité. On essaie d'avoir un buste assez droit tout en évitant d'avoir un dos qui se creuse. On descend toujours alignement genoux, cheville et on remonte. Hop, on descend et on remonte. Inspire à la descente, expire à la montée. Ok. Si c'est compliqué, parce que vous avez une chaise trop haute, essayez de prendre, je sais pas, une boîte à chaussures, un pack d'eau, ce que vous voulez pour avoir une certaine hauteur. Si du coup, c'est compliqué, toujours, faites simplement des fentes statiques. Partez du sol, placez-vous. Angle droit au niveau des genoux à l'avant, angle droit au niveau du genou à l'arrière. On presse dans le genou de la jambe avant et on redescend. Moi au niveau des hanches, fente statique. Ensuite, on change de côté. Prenez l'option qui vous convient. D'accord? Ah ouais, poussière de l'arrière. Bon, il fera des queues. C'est bon? Ça tourne? Ouais. Petit cercle, du coup, cette fois-ci vers l'arrière. On tend les bras comme tout à l'heure, cette fois-ci, cercle vers l'arrière. Pensez bien à respirer, soyez stable dans les abdos. Pensez toujours à votre respiration, de profil. Regardez droit devant vous, contrôlez le mouvement. N'allez pas trop vite et agrandissez les cercles si besoin. Ok, donc là c'est bon, on en a fini avec notre échauffement.